La technique la plus utilisée partout dans le monde pour traiter les myopies et les astigmatismes, c'est le LASIK. Elle est réalisée en deux temps. La première étape, c'est la réalisation d'une lamelle qui est faite soit par laser, soit ce qu'on appelle un microkératome. En deuxième étape, cette lamelle va être relevée et on va pouvoir alors traiter avec le laser excimant les quantités nécessaires pour traiter la myopie ou l'astigmatisme. Quelle est la raison pour laquelle cette technique est tellement utilisée? Parce qu'elle a de très nombreux avantages. Le premier avantage de cette technique, c'est qu'elle ne dure pas très longtemps. L'intervention en général dure environ 5 à 10 minutes. Le deuxième avantage, c'est qu'elle cicatrise très rapidement. En effet, quand on va replacer cette petite lenticule sur la cornée, au bout de 2-3 minutes, cette cornée est déjà bien adhésive et en ayant environ 2-3 jours, la cicatrisation est déjà obtenue. L'intérêt de cette technique également, c'est qu'elle est très très peu désagréable. Pendant 3 heures, je vais avoir un peu de picotement, quelques larmoiements, et puis après, la vision sera déjà nettement améliorée, très rapidement, déjà dans l'après-midi de l'intervention. On peut imaginer que le patient, dès le lendemain, il sera capable de travailler à l'ordinateur et de conduire sa voiture.